Bonjour et bienvenue dans le studio Domitis qui s'est installé aujourd'hui dans la toute nouvelle résidence d'Écouflant. Nous remercions la direction et toute l'équipe pour leur accueil. Nous sommes en direct et en public aujourd'hui. Bonjour à vous qui êtes dans la salle et bonjour à vous qui êtes derrière votre écran. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Furbert. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes cardiologue, ancien chef de service de cardiologie au CHU d'Angers. Vous êtes président de la Fédération française de cardiologie, la FFC. C'est à ce titre que vous intervenez aujourd'hui. Et vous êtes également président de l'Association de cardiologie régionale Anjou-Maine. Donc, merci d'avoir consacré une heure pour venir nous parler. Merci. Merci à Domitis. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. La prévention des maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose d'essentiel. La prévention primaire, donc avant qu'on ait déjà eu un problème cardiaque, parce qu'elle permet de réduire de façon très sensible la survenue de ces maladies cardiovasculaires. Et le fait de faire une prévention efficace, on va pratiquement réduire de plus de 40% les maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et ce sont des choses très simples. Faire un petit peu d'activité physique, manger correctement, éviter un petit peu le stress. Et avec ça, déjà, on va gagner beaucoup. Après, on verra au cours de cette émission qu'il faut dépister les facteurs de risque cardiovasculaire. Et quand on, malgré tout, quand on a eu un événement cardiovasculaire, eh bien, il va falloir prendre des médicaments et on verra tout ça au cours de cette présentation. Mais la prévention, c'est important parce qu'on a beaucoup actuellement de signaux d'alerte un peu négatifs. L'obésité augmente chez les enfants, chez les jeunes adultes, chez les adultes. Le diabète augmente, les maladies métaboliques, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, augmente. Et on commence à voir aussi augmenter l'infarctus chez les femmes plus jeunes. Donc tous ces éléments-là sont inquiétants et il faut renforcer la prévention des maladies cardiovasculaires. Nous allons donc parler prévention aujourd'hui. Alors pour vous qui nous regardez sur YouTube, sachez que vous pouvez poster des commentaires via le chat. Vous pouvez poser des questions aussi, nous y répondrons. Car nous avons deux médiateurs, Stéphane Bruno et Laurent Blond, qui sont avec nous dans le public aujourd'hui, qui se chargent de discuter avec vous dans le chat et qui relayeront vos questions au professeur Furbert. Et dans le public, vous pouvez aussi noter vos questions au fur et à mesure. Et par moment, je vous proposerai d'intervenir. Alors pour commencer, nous allons parler histoire. Nous allons voir tout de suite une frise qui reprend les inventions marquantes en cardiologie depuis le début du 19e siècle. Nous commençons en 1817 avec l'invention du stéthoscope avec le docteur Laennec. Et le premier stéthoscope qui ressemblait donc à un tube, professeur Furbert. Oui, alors l'anecdote, c'est René Laennec qui jusqu'alors auscultait avec l'oreille, on mettait l'oreille sur le thorax pour écouter les bruits du cœur, les bruits des poumons. Et il a eu l'idée simplement de prendre une feuille de papier, de la rouler et d'écouter avec la feuille de papier. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du stéthoscope. Et donc ça a permis effectivement de bien entendre les bruits et surtout de faire la différence entre les bruits du cœur et les bruits des poumons, ce qui n'était pas facile à l'auscultation directement avec l'oreille. Donc ça c'est le point de départ. Puis après vous connaissez les stéthoscopes actuels qui sont bio-auriculaires de façon à permettre d'analyser de façon très précise les sons et en particulier les souffles au niveau du cœur. Ensuite, en 1932, Hyman invente le pacemaker. Alors encore une fois, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il est très gros et surtout, il est externe. Oui, alors ce pacemaker, heureusement qu'on ne l'a pas utilisé, parce que les premiers travaux montraient que, dans quelques cas, effectivement, quand on le stimulait, le cœur partait. Donc il y avait bien une efficacité. L'électricité faisait démarrer la pompe cardiaque. Mais dans un nombre non négligeable de cas, il y avait une électrocution. Donc, ça ne marchait pas vraiment. Et puis, des cas où ça ne marchait pas du tout. Mais c'est l'idée, c'est le point de départ. Ensuite, c'est Senning qui a inventé vraiment le premier pacemaker qui ressemble à ce qu'on a actuellement comme pacemaker. Avec les progrès, ça a été une diminution progressive de la taille des pacemakers pour arriver à des toutes petites, une toute petite taille qui est sous la peau et qui ne pose pas de soucis particuliers. Et troisième invention qui débute en 1929 et qui est toujours en cours d'évolution. Et selon vous, professeur Furbert, c'est un très bel exemple du progrès en cardiologie.
Donc avec ce dernier bloc que je vous laisse nous commenter. Oui, ben le seul point de départ, hein, c'est de 1929, c'est en fait la création du cathétérisme. Alors ce cathétérisme, c'est pareil, je l'ai choisi parce que c'est une anecdote assez intéressante. Hein. C'était un jeune cardiologue qui avait une idée de mettre un tuyau dans le cœur pour essayer de voir si on pouvait ensuite mettre des médicaments par ce tuyau. Son patron ne l'a pas suivi, hein, lui a interdit de faire tout ça. Et donc il a été un soir dans son labo, il a pris une sonde urinaire, il y avait que ça à l'époque, hein, et avec cette sonde urinaire, il l'a montée par une veine du bras jusqu'au cœur, il a pris la photo, il a pris une radio thoracique, et c'est comme ça qu'est venu le premier cathétérisme cardiaque. Hein, donc ça c'est une histoire qui est connue hein, des cardiologues, hein, mais qui est quand même assez intéressante. Et puis à partir de là, si on peut revoir la frise, oui. Suite à ça, on passe un petit peu plus vite, 1958, c'est la naissance de la coronarographie. Hein. Donc la coronarographie, c'est pareil, hein, c'était un petit peu un accident. On faisait à l'époque des cathétérismes de l'aorte, et la sonde qui était dans l'aorte, eh bien, par accident, est rentré dans une coronaire. Et c'est comme ça qu'on a fait la première coronarographie sélective, hein, qui a permis de voir les artères coronaires. Et à partir de là, ben, j'avais choisi un petit peu de vous parler de ça, parce que ça montre bien l'évolution. Là, on était dans l'histoire, mais l'histoire, vous allez voir qu'elle s'est accélérée très rapidement. Hein, une fois qu'on a su faire des coronarographies, on a eu le premier pontage des artères coronaires. Hein. Le premier pontage, vous l'avez également dans la frise, hein. C'est dans les années 60. Hein. Hein, donc c'est René Favaloro, hein, donc 1967. Et puis ensuite est venue la première dilatation au ballon. La dilatation au ballon avec un ballon à l'époque qui était du PVC. Vous connaissez tous le PVC, ben, c'était ça. Et c'est un Français, un Jacques Puel, professeur Jacques Puel de Toulouse, hein, qui a fait la première pose de ce stent chez l'homme. Ensuite, une autre étape marquante, ça a été l'arrivée de l'angioplastie, parce que le problème de l'angioplastie au ballon seul, c'est qu'il y avait beaucoup d'accidents. Hein, il y avait des dissections de l'artère, l'artère se bouchait après la dilatation au ballon. Et ces stents hein, qui sont apparus avec Andreas Grundwisch ont permis un élément important, c'est de traiter la dissection aortique. Donc il y a eu beaucoup moins de thrombose du stent. Hein. Le stent ne se bouchait pas au début. Donc ça a été une première étape importante dans l'angioplastie. Et puis la deuxième étape dans les années 2000, hein, ça a été que ce stent a progressé. On a associé au stent un petit polymère avec des petites loges à l'intérieur. On a pu mettre un médicament qui évitait la deuxième problématique qui était la resténose. Quand on dilatait l'artère à 3 mois, se resténoser. Eh bien, avec ces stents qu'on appelle les stents actifs et ce qu'on pose actuellement, et ça, c'était Marie-Claude Maurice, hein, qui est une cardiologue parisienne, hein, qui travaille encore et qui a validé ce concept dans une étude multicentrique. Hein, l'étude Ravel, et ça a permis de valider hein, tout ce qu'on utilise actuellement. Et ensuite, il y a eu différents progrès, hein, des progrès par l'association de médicaments anti-agrégants, hein, on en mettait un d'abord, après deux, de nouveaux médicaments anti-agrégants, et puis maintenant, on arrive à bien maîtriser ces médicaments et à choisir un petit peu le traitement à la carte. En fonction du risque du patient, est-ce qu'il risque de saigner, est-ce qu'il risque de boucher l'artère, eh bien, on va choisir le bon médicament. Et donc ça, c'est l'étape actuelle, hein, c'est vraiment le traitement à la carte. Chaque patient a un traitement spécifique. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant entrer dans le fonctionnement du cœur dans le chapitre suivant. Alors professeur, est-ce qu'on peut dire que le cœur est un muscle ultra sophistiqué ? Oui, c'est un muscle qui fonctionne bien en tous les cas. Hein, et surtout qui est très puissant, hein, puisque vous imaginez à peu près, c'est 100 000 battements par jour. Donc c'est un muscle qui travaille, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le but du cœur, c'est d'avoir un débit, d'avoir un débit cardiaque qui est de l'ordre de 5 litres, hein, qui va permettre d'envoyer le sang, qui est un sang qui part des ventricules gauches, donc qui est oxygéné, qui est plein de nutriments, vers tous les organes pour les nourrir. Alors, voyons une illustration.
Alors, sur ce schéma, hein, ce que l'on peut voir, c'est globalement un cœur, c'est deux ventricules, hein, le ventricule droit, le ventricule gauche, deux oreillettes. Et je vais vous décrire un petit peu rapidement le trajet du sang, hein, puisqu'en fait, la fonction du cœur, c'est clairement d'envoyer le sang avec plein d'oxygène et des nutriments vers les organes. Donc, on va partir du ventricule gauche. Le ventricule gauche, il se contracte. Et donc, il va envoyer le sang dans une grosse artère hein, qui est en rouge ici, qu'on appelle l'aorte. Et ensuite, par cette aorte, eh bien, le sang va aller dans tous les organes pour être nourri. Hein, donc, l'oxygène va se déposer dans les différents organes, y compris, bien sûr, le cœur. Puis, le sang, il va revenir. Donc, cette fois-ci, il n'est pas suffisamment oxygéné. Hein, c'est pour ça que dans les schémas, on met souvent du sang rouge. Quand il est oxygéné, sang bleu dans les veines parce qu'il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Il va remonter par les veines jusqu'au cœur droit, hein, jusqu'à l'oreillette droite, le ventricule droit, et par l'artère pulmonaire, aller dans les poumons pour se réoxygéner. Hein, et ensuite, des poumons, bah, avec les veines pulmonaires, on va se retrouver dans l'oreillette gauche et on a fait tout le circuit du cœur. Donc c'est une pompe qui envoie des nutriments et de l'oxygène à tout l'organisme. Et nous avons un deuxième schéma. Alors, pour qu'il fonctionne, ce cœur, ben, il faut qu'il se contracte. Mais pour qu'il se contracte, c'est un muscle. Hein, il faut un stimulus électrique. Et bien, donc là, c'est le circuit électrique du cœur. Alors, ce circuit électrique du cœur, en haut, on voit dans l'oreillette droite, là, le nœud sur lequel c'est une sorte de pacemaker naturel. Hein, il y a un influx qui sort en permanence à un rythme habituel de 70 par minute au niveau de ce nœud sinusal dans l'oreillette. Et ensuite, cet influx électrique qui va aller dans le petit point jaune que vous avez là, qui est le nœud auriculo-ventriculaire. Et ce nœud, il a pour but de filtrer un petit peu les choses. C'est-à-dire que si l'influx n'est pas trop rapide, eh bien, il passera à la vitesse de l'influx auriculaire. Si les oreillettes envoient un influx très rapide, eh bien, ce nœud va le ralentir pour éviter que le ventricule ne soit plus efficace. Et puis en plus, le circuit électrique va ensuite se prolonger au niveau des ventricules pour provoquer la contraction des ventricules. Et l'importance de tout ce circuit électrique, bien, c'est de coordonner tout ça, hein, puisqu'il faut que les ventricules se coordonnent pour se contracter en même temps. Il faut que les oreillettes se relâchent et se contractent également en même temps pour que tout soit efficace. Hein, donc tout le circuit électrique, il va permettre de faire la coordination de toutes ces cavités. On a vu passer très rapidement l'électrocardiogramme. Un électrocardiogramme, c'est une façon indirecte de voir ce qui se passe. On a des petites ondes hein, sur le tracé ECG, on va peut-être le revoir, qui montre la première anomalie, c'est l'onde P. Hein, donc ça, c'est la contraction de l'oreillette. Le petit complexe en M, en W, ça varie en fonction des situations, eh bien, c'est la contraction des ventricules. Hein, on fait une sommation, on ne sait pas sur le plan électrique quel ventricule, c'est les ventricules. Et puis la dernière onde qu'on appelle l'onde T, bah, c'est le ventricule qui se relâche, hein, c'est la relaxation du ventricule. Merci. Alors on avait un troisième schéma où on voyait, on voit bien la circulation du sang autour du cœur. Oui, donc pour que le cœur fonctionne correctement, ben il faut, comme tous les autres organes, hein, il faut de l'oxygène et des nutriments. Et donc, ce sont les artères du cœur, ce sont les artères coronaires. Il y a deux artères coronaires, hein, que vous voyez sur le schéma. L'artère coronaire gauche, qui se divise en deux branches, une artère circonflexe et une artère interventriculaire antérieure, et l'artère coronaire droite. Merci. Alors maintenant, on a bien compris donc, comment fonctionnait le cœur. Et nous allons tout de suite parler du pire, mais pour passer le reste de l'entretien à expliquer comment l'éviter. Donc, que se passe-t-il finalement dans notre cœur quand on fait un infarctus? Alors, donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment la plaque d'athérome qui va provoquer à terme éventuellement un infarctus du myocarde ou un AVC, on va voir, se forme. Et le point de départ, c'est qu'il faut des facteurs de risque. On verra tout à l'heure, hein, l'hypertension, le diabète, les cholestérols, etc., vont favoriser des dépôts de graisse, des dépôts de cholestérol dans les parois de l'artère. C'est ce que vous avez visualisé ici. Hein, dans la paroi, il y a un petit croissant jaune et qui va progressivement augmenter de taille. Et à un moment donné, à ce stade-là, quand le rétrécissement est important, eh bien, on va avoir de l'angine de poitrine quand on fait un effort. À ce stade-là, quand on est au repos, il n'y a pas de symptômes. Mais quand on fait un effort, il faut que l'artère coronaire se dilate pour augmenter l'oxygène du cœur. Et à ce moment-là, mais quand il y a un rétrécissement, il ne va pas y avoir assez d'oxygène et on va avoir mal, et c'est de l'angine de poitrine. Alors ensuite,
l'étape suivante dans la plaque d'athérome, c'est une généralisation hein, de cet athérome qu'on peut avoir dans... Alors, il y a peut-être un autre schéma qu'on peut mettre sur les localisations, simplement pour visualiser. Donc, on a vu que ça atteignait les artères du cœur, mais c'est un processus qui est général. Et donc, on peut avoir la même chose des plaques d'athérome au niveau des vaisseaux à visée cérébrale, et donc ça va provoquer des accidents vasculaires cérébraux. On peut avoir la même chose au niveau des jambes, avec donc de l'artérite, hein, l'artériopathie des membres inférieurs, mais également au niveau des artères digestives. Hein, ça peut être vraiment quelque chose d'assez diffus. Et donc là, nous allons pouvoir revoir donc, le petit schéma. Donc, quand on est, finalement, quand on fait l'infarctus, quand l'artère se bouche, comment ça se passe? Voilà, donc on a vu la plaque qu'on avait vue tout à l'heure, la plaque d'athérome en jaune, là. Mais il y a un moment donné où la petite membrane qui sépare cette plaque d'athérome du sang, ben, va se déchirer. Donc, c'est la plaque qui devient instable, hein, c'est une fissure de cette plaque, et à partir du moment où la plaque est déchirée, eh bien, le noyau de lipides va être en contact avec le sang, et ça va provoquer une agrégation des plaquettes. Les plaquettes, elles vont s'agglutiner à ce niveau-là, former un petit caillot qui est d'abord un caillot blanc, et puis ce caillot, ensuite, il va devenir rouge, parce que les globules rouges vont s'associer aux plaquettes pour faire un caillot dur et qui va boucher l'artère. Donc c'est ça le principe de l'infarctus du myocarde. Alors, vous nous avez préparé des petits films, professeur Furber, qu'on va pouvoir voir, vous allez pouvoir commenter. Est-ce qu'on demande avant s'il y a des questions, peut-être, dans le public? Ou sur YouTube, Stéphane? Oui, une question? J'ai deux questions assez techniques, on dirait, de M. Rizzi Bernard, qui nous demande si une dissection aortique et une endocardite sont des maladies cardiovasculaires. Nous avons des spécialistes... Et deuxièmement, désolé, je vous pose la deuxième question. Est-ce que lors d'une transplantation cardiaque, comment se reconstruisent les connexions électriques? D'accord, donc on n'est plus du tout dans l'athérome. Hein. Voilà, on verra si... Très varié. Bon, la dissection aortique, hein, c'est une déchirure de la grosse artère qu'on appelle l'aorte, alors qui peut être au point de départ de l'athérome, hein, c'est possible aussi. Il y a des maladies qui sont des maladies du tissu élastique, hein, qui peuvent l'expliquer. Donc, c'est une maladie cardiovasculaire, hein, clairement. L'endocardite, c'est une infection des valves du cœur. Hein, on a vu qu'il y avait des cavités. Les cavités sont séparées par des valves, les valves aortiques, les valves mitrales. Hein, donc, il y a quatre types de valves. Et ces valves, elles ont une surface qui peut attirer un petit peu une infection par une bactérie ou par un virus et provoquer une inflammation, puis une infection qu'on appelle l'endocardite. Voilà, donc ça, c'est... Mais ce n'est pas de l'athérome, mais ce sont des maladies cardiovasculaires. Alors on va voir les petits films qui sont très impressionnants que vous nous avez fait parvenir, qui sont des coronarographies, si je ne me trompe pas. Des coronarographies, c'est toujours un mot compliqué à dire, même pour nous, rassurez-vous. Alors donc, c'est un patient qui arrive en phase aiguë, il a mal dans la poitrine, on verra tout à l'heure la description de la douleur. Et pour aller déboucher l'artère coronaire, parce qu'avant, on a fait un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme, il montrait qu'il y avait un infarctus. Hein, c'est l'électrocardiogramme qui fait le diagnostic d'infarctus. Et donc, on a ici une artère, c'est une coronaire droite. Et on voit donner, à un moment donné, donc, le début de l'artère, et puis après, ça s'arrête. Alors, essayez de bien vous rappeler de l'image. On va passer à la suivante. Le but, c'est d'aller très rapidement déboucher cette artère. Et donc, on passe un petit guide métallique. Vous voyez le petit guide métallique, et on commence à voir la zone où se trouvait l'artère qui était rétrécie avant de se boucher. À partir de ce petit guide métallique, on va glisser sur le guide un ballon pour faire l'angioplastie au ballon. On gonfle le ballon, là vous avez le ballon gonflé, et quand tout se passe bien, ben, ça va déboucher l'artère, hein, dans 98% des cas, donc c'est une technique qui marche bien. Et une fois que l'artère est débouchée, c'est l'image que vous avez. Donc, on voit que c'était une très grosse artère hein, qui était bouchée, avec un risque donc, de faire un infarctus grave. Et on voit sur cette coronarographie qu'il reste un rétrécissement au niveau de cette coronaire droite, dans la zone où c'était bouché initialement. Et donc, pour finir le travail, on va mettre un stent. Alors, on peut voir la diapositive suivante. Le stent, on le voit ici, il est positionné dans la zone de rétrécissement. Hein, on choisit un stent de bon diamètre par rapport à l'artère, la bonne longueur pour bien couvrir tout le rétrécissement. Et on va gonfler
ce ballon. Hein, le stent, il est porté par un ballon, on gonfle le ballon pour positionner le stent dans la paroi de l'artère. Et là, la dernière image, et on voit le résultat final. Alors, avant l'injection du produit de contraste, on voit un petit grillage hein, dans la zone initiale qui est ce stent. Hein, donc qui est positionné et qui a permis, un, de déboucher l'artère coronaire et puis de traiter le rétrécissement hein, pour éviter que l'artère ne se rebouche. Donc c'est ça l'angioplastie que l'on fait en phase aiguë d'un infarctus. Alors on comprend que le cœur est un système incroyablement complexe et précis, mais qui à l'origine fonctionne bien, sauf malformation, mais qui peut être impacté par notre environnement et notre mode de vie. Donc nous allons maintenant passer au chapitre suivant, le chapitre donc sur les facteurs de risque. Alors professeur Furber, quels sont les facteurs de risque propres à chacun ? Alors on différencie les facteurs de risque qu'on appelle non modifiables. Donc là, c'est l'âge, un élément important, le fait d'être un homme qui augmente le risque cardiovasculaire. Chez les femmes, ce risque existe aussi, mais il est plus important après la ménopause, où là, progressivement, au bout de 10 ans après la ménopause, le risque cardiovasculaire entre l'homme et la femme est à peu près le même. Mais pendant une grande période de temps, si la femme n'a pas trop de facteurs de risque, en particulier si elle ne fume pas, eh bien, il y a moins de risque que chez l'homme. Hein, donc c'est ça. Et puis le troisième risque pour lequel on ne peut pas grand-chose, c'est l'hérédité. Hein, le fait d'avoir des antécédents familiaux, un père, une mère qui a fait un infarctus, et en particulier un infarctus tôt, hein, et ça, c'est un facteur de risque. Et est-ce qu'il y a aussi des facteurs de risque sur lesquels on peut agir ? Oui, heureusement, et c'est tout l'intérêt de la prévention. Hein. Donc, les principaux facteurs de risque, et je pense qu'on les reverra après, donc je ne fais que les citer, hein, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, l'augmentation du cholestérol, hein, l'hypercholestérolémie, et le fait de fumer. Ça, ce sont les grands facteurs de risque. Et parallèlement, il y a des facteurs de risque, comme on disait tout à l'heure dans l'introduction, qui augmentent progressivement. C'est la surcharge pondérale et l'obésité, hein, qui sont des éléments tout à fait importants et qui sont les facteurs de risque également. Alors, on peut s'arrêter peut-être sur l'hypertension artérielle. Donc, prendre la tension chez le médecin, c'est quelque chose qu'on fait tous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspondent ces deux chiffres quand le médecin dit « vous avez 12,8, 17 », qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, la pression artérielle, on part de les deux chiffres, c'est la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. La pression systolique, ça correspond au moment où le cœur, le ventricule gauche, se contracte et envoie tout le sang dans l'aorte. Hein, donc, c'est pour ça qu'on parle de pression artérielle systolique. Si au moment de la contraction du cœur, c'est le moment où la pression est la plus élevée. Et le deuxième chiffre, c'est au moment où le cœur se relâche, donc c'est la pression artérielle diastolique, hein, c'est une phase où la pression est bien sûr moins élevée, hein, puisque ça correspond à une phase où il n'y a pas du tout la pression du cœur pour augmenter cette pression artérielle. Et on a, quand la tension est trop haute. Oui, donc les valeurs, hein, les valeurs normales de pression artérielle à ne pas dépasser. On dit globalement qu'il ne faut pas être au-dessus de 140, on parle en millimètres de mercure pour la pression artérielle systolique, et au-dessus de 90 millimètres de mercure pour la pression artérielle diastolique. Ça, c'est la définition de l'hypertension. Après, quand on a déjà fait des problèmes cardiovasculaires, on peut être amené à dire qu'il faut mieux baisser encore un petit peu, hein, et être plutôt aux alentours de 130 millimètres de mercure pour la pression systolique. Donc on va adapter le niveau de pression artérielle systolique, s'il faut la traiter, au risque du patient. Donc là, on a une tension trop élevée. On parle de personnes hyper tendues. Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes en France, par exemple ? Oui, ça concerne beaucoup de personnes, hein, puisque quand je fais les cours à la fac, si vous voulez, chaque année, je rajoute pratiquement 1 million. Hein. Donc là, on est à combien ? On est à 15 millions de... Et c'est certainement aujourd'hui plutôt 16 millions que 15 millions. Hein, l'hypertension, elle augmente sa prévalence, hein, la fréquence, elle augmente avec l'âge. Hein, donc, comme il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus d'hypertension. Et est-ce que les personnes hypertendues le savent ? Est-ce qu'on sait qu'on est hypertendu ? Donc, c'est ce qu'on disait au début. Hein, c'est, la prévention, c'est dépister les facteurs de risque. L'hypertension, ben, elle est mal dépistée. On estime qu'à peu près la moitié des patients hypertendus qui ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas, à un moment donné, pris la pression artérielle. Alors, quand on est pendant le temps professionnel, ça peut être le médecin traitant, ça peut être la médecine du travail qui dépiste, mais c'est important. Et donc, la moitié ne le savent pas. Et puis, l'autre moitié qui est hypertendue, qui le sait,
Eh bien, dans cette autre moitié, il y en a à peu près une première moitié qui est traitée, mais pas de façon efficace, et une deuxième moitié qui est traitée de façon efficace. Donc, on a une marge de progrès hein, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle qui est faramineuse. Donc, 15 millions d'hypertendus en France, et concernant le cholestérol ? Le cholestérol, c'est à peu près des chiffres importants aussi, hein, de l'ordre de 4-5 millions, on va dire. Non le problème est exactement le même. Hein, il faut pouvoir dépister le cholestérol, et pour ça c'est très simple, il faut faire une prise de sang. Le cholestérol, on mesure dans le sang le cholestérol total, on mesure le mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL cholestérol et le bon cholestérol qu'on appelle le HDL cholestérol, et puis une autre graisse qui sont les triglycérides. Et à partir de là, on est capable de définir la stratégie, est-ce que vous en avez ou pas, est-ce qu'il faut le traiter ou pas. Oui, j'ai lu dans vos publications le terme acide gras trans, de quoi s'agit-il ? Alors, les acides gras trans, c'est plutôt quand on fait nos courses, hein, qu'on choisit les bons aliments, les bonnes matières grasses. Hein. Les acides gras trans, en fait, c'est les industriels qui les ont créés un petit peu hein, pour soit avoir plus de consistance, hein, margarine qui soit un petit peu plus dure, soit avoir plus de fondant dans la bouche, hein, donc c'est c'est plus onctueux, on va dire. Et puis surtout, c'est un facteur qui permet d'augmenter la durée de conservation des produits. Par contre, il n'y a aucun bénéfice au niveau nutritionnel, hein, et même plutôt des effets très négatifs, hein, puisque ça va augmenter le mauvais cholestérol et baisser le bon cholestérol. Alors, c'est essentiellement les plats cuisinés, hein, les confiseries, donc dans tous ces plats. Et comme il y a quand même pas mal d'étiquetage, ben, vous pouvez aller les chercher. Hein, donc, ça peut être... marqué acide gras halogéné, hein, donc on peut voir ça. Mais autrement, vous avez les acides gras, il y a tant de grammes. Dans ces acides gras, on a des acides gras monoinsaturés, polyinsaturés. Et quand vous faites la différence, mais s'il manque quelques grammes, mais ce sont les acides gras trans. Donc on peut le retrouver de façon indirecte. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de campagnes et dans les plats cuisinés, on commence à voir une baisse de ces produits. Alors, il y a aussi le mode de vie qui impacte sur notre santé, le stress par exemple. Mm-hmm. Mais comment est-ce que le stress peut impacter notre cœur physiologiquement ? Comment ça fonctionne ? Donc le stress est un facteur de risque hein, et qui est de plus en plus important. Hein. Comment ça va expliquer en fait ce risque cardiovasculaire ? Bah, d'une part, le stress va augmenter la fréquence cardiaque, il va augmenter la pression artérielle et ça de façon assez brutale. Et c'est tout ce qui explique le risque de déchirure d'une plaque d'athérome. La plaque d'athérome, elle est formée, on l'a vu tout à l'heure, elle est stable. Si on a brutalement une augmentation de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle, ça va faire des forces, qu'on appelle les forces de cisaillement hein, sur la plaque, et qui vont la déchirer. Hein. Alors, ça peut être ça. Donc ça, c'est le stress, je dirais, habituel hein, au travail, en famille, des disputes, des choses comme ça. Et puis, on a un autre stress qui est plus mauvais, qui est un stress brutal et qui peut entraîner ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Hein, le syndrome de Takotsubo, et qui va entraîner, en fait, par une décharge des hormones surrénaliennes, hein, qu'on appelle les catécholamines, une inflammation du cœur, c'est une myocardite, avec un cœur qui se contracte plus, et ça peut être très grave. Hein, donc, il y a deux aspects, le stress brutal aigu, et ça, c'est quand même rare, hein, c'est surtout à l'occasion d'annonces importantes, annonces d'un décès, hein, en particulier, ça, on peut l'avoir, mais le stress de tous les jours, hein, il est fréquent, il faut savoir le prévenir et le traiter. Alors, vous parliez aussi du tabac, par exemple. On a parlé d'hypertension, de cholestérol. Et bien sûr, tous ces éléments réunis multiplient les facteurs de risque. Oui, alors ça, c'est un point important. C'est que le risque de faire un événement cardiovasculaire, quand on est hypertendu et qu'on est diabétique, c'est pas 1 plus 1. Hein, c'est un facteur multiplicatif beaucoup plus élevé. Et je vais donner cet exemple-là d'une vieille étude, hein, mais qui est assez parlante. Hein. Vous voyez que quand on a... une consommation significative de tabac, on multiplie le risque de faire un infarctus par 1,6. Quand on est hypertendu, par 3. Quand on a du cholestérol très élevé, hein, 3 grammes, c'est très élevé, multiplié par 4. Et quand on a les trois facteurs de risque ensemble, eh bien, c'est pas 3 plus 4 plus 1,6, mais c'est 16. Hein, donc, il y a vraiment un facteur multiplicatif qui est très important à prendre en compte. Oui, excusez-moi, vous avez voulu nous partager aussi un tableau qu'on va montrer et qui montre très bien ces scores. Et donc, ce qu'on vient de voir juste avant, pour le médecin, c'est pas si facile que ça d'estimer le risque cardiovasculaire pour un patient donné. Et donc, on a mis en place des tables de scores de risque.
Et vous voyez qu'en fonction, alors je suis désolé, mais c'est en anglais, j'aurais pu le mettre en français, en fonction du sexe, des facteurs de risque, donc vous avez le tabac, la tension, le cholestérol, et puis le fait de fumer ou de pas fumer, eh bien on va avoir un risque de faire un événement cardiovasculaire avec un risque de décès, hein. Vous avez les petits chiffres ici, donc avec ça on peut calculer très précisément le risque cardiovasculaire d'un patient. Alors, au-delà de 75 ans, c'est plus très vrai, hein. C'est plutôt pour les 40-70 ans, hein, puisque au-delà, le risque, quand on fait des analyses statistiques comme ça, ben, c'est surtout l'âge. Hein, c'est l'âge qui ressort et qui efface tout le reste. Hein, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le public, donc parmi les personnes qui sont présentes dans la salle ou éventuellement? Oui, je voulais vous demander s'il y avait un facteur héréditaire également pour les AVC. Oui, alors le principe hein, sur les accidents vasculaires cérébraux, c'est vraiment de l'athérome aussi, hein, pour l'AVC ischémique. Hein. Et donc, les risques sont exactement les mêmes. Les facteurs de risque sont les mêmes, hein, que ce soit les maladies cardiaques, hein, donc infarctus et angine de poitrine, les AVC d'origine ischémique et l'artérite des membres inférieurs. Tout ça, c'est vraiment sont les mêmes facteurs de risque. Plus ou moins en fonction de chaque localisation. Hein, le tabac, par exemple, c'est très rapidement de l'artériopathie des membres inférieurs, hein, qui commence très tôt, et l'infarctus du myocarde. D'autres facteurs, c'est d'abord plus l'hypertension, c'est plus un AVC, hein, le risque, mais tous ces facteurs de risque-là sont les mêmes dans toutes les pathologies, dans toutes les localisations de l'athérome. Est-ce qu'on a une autre question, Madame? J'ai fait un AVC, un petit AVC, 13 jours après avoir eu une intervention, et on a découvert que j'avais une fuite au cœur, une petite fuite. Pouvez-vous m'expliquer ce qui peut se passer par la suite? Alors, je ne sais pas quel type de fuite. Une fuite habituellement... au niveau des... juste au raccordement des quatre... comment on appelle du cœur, les quatre... Oui, c'est certainement une insuffisance de la valve mitrale. Qui peut être associé à un trouble du rythme. Quand on fait un AVC, il peut être dû à des plaques d'athérome au niveau des artères du cou, en particulier. On n'entend pas, excusez-moi, on n'entend pas. Mais ça peut être surtout dû à un trouble du rythme cardiaque, hein, qu'on appelle la fibrillation auriculaire, hein, et qui, en fait, correspond à une contraction anarchique des oreillettes. Et du fait de cette contraction anarchique, il y a des petits caillots qui vont se former dans les oreillettes et qui vont partir vers le cerveau et former un AVC par un mécanisme d'embole de ces petits caillots. Et la suite? L'insuffisance mitrale peut favoriser la survenue de ce trouble du rythme et induire ensuite l'AVC. Et ça peut se reproduire, l'AVC? Alors, le principe, ça peut se reproduire, mais quand vous prenez, je pense que vous avez des médicaments anticoagulants, oui. Et donc ces médicaments sont très efficaces pour éviter les récidives. Merci, professeur. Stéphane, est-ce qu'on a une question sur YouTube? Oui. Alors, attends le micro. Quel est l'impact du Covid-19, du coronavirus, sur le cœur? Ah. Alors, on sort, enfin, je crois qu'on ne sort pas forcément de la maladie athéromateuse, hein, parce que le premier impact, c'est une infection virale qui entraîne, vous savez, maintenant, une réaction inflammatoire en particulier une réaction inflammatoire auto-immune très importante. Et cette inflammation, c'est un facteur de déstabilisation et de rupture des plaques d'athérome. Donc il y a déjà un premier effet, hein, c'est qu'on va avoir ce risque de faire une rupture de plaque, donc de faire un AVC, de faire un infarctus, hein, lié à l'inflammation induite par le coronavirus. Hein, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce virus a un tropisme cardiaque important, hein, puisque les récepteurs ils se fixent de façon préférentielle au niveau des poumons, mais les récepteurs qui se trouvent au niveau du poumon sont les mêmes au niveau du cœur. Et donc, on a fréquemment une atteinte cardiaque dans les formes sévères de la maladie. Et quand on est hospitalisé, donc a priori une forme avec un retentissement au niveau de la respiration, eh bien, on a à peu près 40% d'atteinte de ce cœur par le biais d'une inflammation, d'une myocardite au niveau du cœur. Hein, donc c'est deux mécanismes importants. Et puis le troisième mécanisme au niveau du cœur, en fait, c'est alors, par l'inflammation, par différents mécanismes, on a des troubles de la coagulation qui vont apparaître et qui expliquent et en particulier la survenue fréquente de phlébites, hein, de thromboses veineuses, d'embolies pulmonaires
Et ce qui a expliqué au tout début hein, du Covid, la mortalité importante, hein, parce qu'on ne savait pas. Et donc, il n'y avait pas d'anticoagulant qui était mis en place à ce moment-là. Et donc, ensuite, on a pu traiter ces phénomènes-là. Donc, ce risque de troubles de coagulation, il existe au niveau veineux, très important, mais il existe également au niveau artériel, en augmentant le risque d'infarctus et d'AVC. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu quels étaient les facteurs de risque et quel mode de vie adopter pour les limiter. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un infarctus ou d'assister à un AVC, par exemple. Nous allons donc maintenant voir comment agir si on assiste à ça ou si ça nous arrive. Alors, quels sont les premiers signes de l'infarctus ? Donc ça, c'est un point important. Hein. On a vu le cheminement. Hein. On recherche des facteurs de risque. Une fois qu'on a ces facteurs de risque, on est capable de calculer le risque de faire un événement. Et donc, les patients qui sont à risque, mais ils doivent connaître les premiers signes de l'infarctus. Hein. L'infarctus, les points importants avant de décrire cette douleur, c'est dès la constitution de l'infarctus, donc dès que l'artère coronaire se bouche, on a un risque d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, un trouble du rythme qui est totalement inefficace. Et ça, c'est dans la première heure hein, qui suit le début de l'infarctus. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand une artère est bouchée, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, plus on la débouche rapidement, moins il y aura de séquelles. Et donc, moins on risque de faire de l'insuffisance cardiaque après l'infarctus. Donc ça, c'est les deux éléments pour lesquels ben, il faut aller très vite lors de la prise en charge. Hein, pour le risque d'arrêt cardiaque, ben, c'est parce que les secours vont arriver le plus vite possible pour avoir un défibrillateur et traiter si ce trouble du rythme et cet arrêt cardiaque survient. Et puis, pour la coronarographie, eh bien, c'est le SAMU va envoyer le patient le plus rapidement possible dans une salle qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui va déboucher l'artère coronaire. Est-ce qu'on a un petit peu des statistiques sur où ont lieu les AVC, les arrêts cardiaques ? Oui, je vais juste finir la douleur thoracique. Avant, c'est un point important, c'est décrire cette douleur thoracique. On ne l'a pas fait. La douleur thoracique, c'est une douleur qui est dans la poitrine, que souvent le patient décrit en mettant la main large. Donc ce n'est pas un point, c'est vraiment une douleur étendue, qui est intense, qui a type de constriction, on a l'impression qu'on va d'être serré. Hein, souvent on dit serré comme dans un étau. Et cette douleur a aussi comme particularité ben, d'irradier aux mâchoires, d'irradier aux bras, et plus particulièrement au bras gauche et à la main gauche. Et c'est une douleur qui va durer. Hein, chez un patient qui est déjà coronarien, qui a déjà eu des épisodes, il a un petit traitement miracle hein, qu'on appelle la trinitrine, qu'on met sous la langue, et bien ça ne va pas marcher. Donc c'est une douleur qui résiste à la prise de trinitrine si on est déjà atteint de la maladie coronaire. Et devant cette douleur-là, il faut faire une seule chose, il faut appeler le 15. Et tout le problème, c'est vraiment de l'appeler, même si vous avez des doutes. Quelle que soit l'heure, si ce n'est pas un infarctus, vous allez tomber sur un médecin régulateur du SAMU et qui va savoir quoi faire. S'il pense que ce n'est pas un infarctus, il n'enverra pas le camion du SAMU. Donc, vous ne risquez strictement rien à appeler. Il faut appeler, même par excès, ce n'est pas un problème. Il vaut mieux appeler pour rien que ne pas appeler du tout. Oui, ça c'est important. Oui, donc je vous posais la question des lieux parce que c'est important en fait de savoir. C'est vrai que dans la plupart des cas, finalement, ça se passe à domicile. Oui. Donc là, malheureusement, il n'y a pas forcément quelqu'un à côté pour appeler. Dans les lieux publics, c'est assez rare finalement, seulement 5%. Oui, alors vous avez les chiffres hein, de répartition. Donc 70% à domicile, 10% sur la voie publique et puis dans les lieux publics, 5%. Mais à domicile, dans la grande majorité des cas, il y a quelqu'un. Donc la problématique, hein, en gros, les arrêts cardiaques en France, les derniers chiffres qu'on a, c'est de 7 cas sur 10, il y a un témoin. Donc c'est déjà un premier point. Le point, c'est qu'il faut que le témoin sache quoi faire. C'est une situation qui est bien sûr très stressante. Et il faut l'avoir vu, l'avoir appris. Les trois gestes essentiels, on a une campagne qui est en cours sur les gestes qui sauvent, donc avec la Fédération française de cardiologie. Le premier, c'est appeler le 15. Ça, c'est vraiment une chose importante. Vous appelez, vous allez tomber sur le médecin du SAMU et il va vous expliquer les choses. Vous allez laisser votre téléphone avec un haut-parleur. Et ça va permettre de suivre ces instructions, donc de commencer le deuxième point qui est le massage cardiaque.
et puis d'essayer de demander s'il y a un témoin aux alentours en plus, d'aller chercher, s'il y en a un défibrillateur. Ça, c'est les trois actions qui sont vraiment essentielles à faire en cas d'arrêt cardiaque. Alors, pour ça, ce n'est pas facile, hein, même pour un médecin, de faire une réanimation de type arrêt cardiaque, c'est toujours compliqué. Mais si vous l'avez jamais appris, que vous ne l'avez jamais fait, c'est encore plus compliqué. Hein. Et quand on a fait tout récemment un sondage Ipsos au mois de mars-avril, hein, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une bonne partie des gens qui n'osent pas faire ces gestes, hein, parce qu'ils ont peur. Une partie qui ne savent pas. Et puis une partie qui savent, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de faire mal. Et par exemple, de dire « je vais casser une côte », etc. Et le problème, c'est que s'ils ne font rien, la personne n'a aucune chance. Et donc, ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est de faire quelque chose. Donc, il faut oser agir, c'est le titre de notre campagne. Le pire, c'est de ne rien faire. Et à partir de là, ce qu'on essaye d'augmenter un petit peu, c'est le nombre de personnes en France qui sont formées à ces gestes qui sauvent. La formation, c'est 2 heures. Actuellement, on estime que c'est à peu près 20% des Français qui sont formés, pas plus. Hein. Et l'objectif, c'est d'arriver, comme dans les pays scandinaves, à plus de 80% de personnes formées. Justement, on va parler des actions que vous menez au sein de la FFC pour la prévention, pour la formation, pour initier aux gestes qui sauvent. Donc, nous allons passer au chapitre suivant, donc sur la Fédération française de cardiologie plus spécifiquement, sur ce qu'on peut mettre en place. Donc, vous êtes président de cette association, la FFC. Quel est son rôle principal ? Donc, la Fédération française de cardiologie a 4 missions sociales. La première, on l'a déjà largement abordée, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, en faisant des réunions d'information, nous avons des brochures. On distribue plus de 3 millions de brochures par an qui sont tout à fait accessibles. Vous allez sur le site internet, on vous envoie les brochures. Donc, il y a énormément de brochures et énormément de documentation sur le site de la Fédération, des petits films et tout. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, ça, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est le principe, prévenir, c'est mieux que guérir. Il faut vraiment le faire parce que c'est très efficace et on ne le fait pas assez. Notre deuxième mission sociale, ce sont les gestes qui sauvent. On en a parlé un petit peu. D'essayer d'arriver à former de plus en plus de gens en passant par des événements, les parcours du cœur, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui nous permettent de toucher différents publics, les enfants, on va dans les écoles, en particulier en CM2, pour faire ces gestes qui sauvent, on va dans l'entreprise, il y a des parcours du cœur scolaires, des parcours du cœur en entreprise, et puis des parcours du cœur grand public, que vous avez l'habitude de voir à Angers. Donc, favoriser les gestes qui sauvent, c'est la deuxième mission. La troisième mission, c'est d'aider les patients qui ont eu un problème cardiaque à se réadapter. Donc là, le but, c'est de favoriser la reprise de l'activité physique. Et donc ça, c'est toute la place des clubs Cœur et Santé. Alors ces clubs Cœur et Santé, ils sont répartis dans toute la France. La fédération est organisée en 27 régions et il y a 269 clubs, vraiment répartis de façon très homogène dans toute la France. Et ces clubs permettent de faire de la réadaptation cardiaque. Alors ça peut être de l'aquagym, des séances de gym. Et à chaque fois, ces activités physiques, la marche nordique, etc., sont adaptées à chaque patient. C'est-à-dire qu'on fait des petits groupes homogènes pour avoir un niveau d'effort qui soit compatible avec la pathologie. Il y a un cardiologue référent dans chaque club Cœur et Santé qui va analyser le dossier du patient, qui va vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à faire l'activité physique. Et donc, au sein de ces clubs, on va développer cette activité physique et on va en profiter pour faire de l'information aussi. Et puis, les gens des clubs Cœur et Santé, ce Guérin présent ici et notre délégué régional, vont également participer à l'information du grand public en faisant l'animation de la semaine du cœur, des parcours du cœur, qui sont des moments importants de la fédération. Et puis, la dernière mission sociale qui est importante, c'est d'aider la recherche cardiovasculaire. Alors, les parcours du cœur ont lieu chaque année et donc, dans le cadre de notre partenariat aussi Domitis FFC, nous organisons en résidence les parcours du cœur. On vous a préparé quelques petites photos des parcours du cœur qui se sont déroulés en 2019, en 2020 et en 2021. Donc là, c'était mars-avril.
En 2022, les parcours du cœur auront lieu en avril, mai, juin. Et vous renouvelez cette année, sur le mois de mai, les parcours du cœur connectés. Donc, initiative qui est née, j'imagine, des confinements des années précédentes. Oui, bah, c'est né du fait qu'on n'a pas pu faire nos parcours du cœur en 2020. Hein. Et en 2021, ça a été compliqué également. Et ces parcours du cœur connectés, bah, ils ont permis déjà de faire une action au cours du printemps. Et puis, ils ont extrêmement bien marché. Il y a énormément de connexions, en particulier dans le milieu de l'entreprise, hein, avec des challenges hein, qui se sont mis en fonction des équipes, des responsables d'équipe, pour savoir qui allait faire le plus de pas dans la journée, le plus de vélos. Les gens des clubs Cœur et Santé sont également vraiment beaucoup mobilisés en faisant du vélo d'appartement, et ont comptabilisé le nombre de kilomètres. Hein. Et puis, notre objectif, c'est d'essayer d'aller jusqu'à la Lune. Eh bien, on a dépassé la Lune, hein, on a presque fait un aller-retour. Alors, on va voir aussi une image. On a le site de la FFC, bien sûr, qu'on peut consulter pour retrouver tout ce dont vous avez parlé, donc la prévention, les formations, les adresses des clubs, etc. Donc, fedecardio.org. N'hésitez pas à aller consulter ce site. Comment est-ce que vous fonctionnez ? D'où viennent les fonds ? Alors, la Fédération française de cardiologie est pratiquement... pas uniquement, parce qu'il y a quelques petites aides publiques et puis des partenariats, mais ce sont les dons qui viennent du public, hein, c'est les donateurs, des testateurs, hein, j'en profite pour les remercier aujourd'hui, mais c'est vraiment la grande majorité de notre financement, et sans ces dons, ben, on n'existerait pas, hein, clairement, hein, parce que la part, alors je prends le chiffre précis en tête, mais enfin, la part d'aide publique est très très faible, hein, par rapport à... Donc, c'est aussi l'occasion pour nous, régulièrement, de faire un appel à un don. Je ne sais pas si on a le temps de parler de recherche après. On va parler de recherche après. On va regarder un petit peu là, dans le public. Mmh. Parce que donc, vous avez convié aussi, évidemment, des personnes donc, de la FFC qui sont aujourd'hui à Domitis avec nous pour assister à cet entretien. Est-ce qu'on a des questions sur la prévention ou l'association en particulier ? Alors, professeur Furbert, beaucoup de questions sur la prévention. La première, c'est la cohérence cardiaque. Est-ce que c'est efficace ? 3 fois 5 minutes par jour, est-ce suffisant ? La cohérence cardiaque, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est des techniques de relaxation, donc en associant relaxation et méditation, qui permettent de diminuer le stress. Hein, donc, c'est un élément. Il y a des études hein, qui ont montré qu'il y avait une certaine efficacité sur le stress. Et c'est une des solutions hein, pour lutter contre le stress. Hein, c'est le stress hein, sur la prise en charge. En fait, ce qui est le plus efficace et vraiment de loin, c'est l'activité physique. Hein, l'activité physique, on a très peu parlé là, mais c'est vraiment le point essentiel pour diminuer le stress et puis pour augmenter la survie, diminuer les événements cardiovasculaires. Hein, je rappelle en quelques mots qu'en termes d'activité physique, il faut au minimum 30 minutes d'activité physique par jour, hein, et quelques fois, au moins 2 fois par semaine, une activité physique un peu plus intense pour augmenter la fréquence cardiaque, hein, jusqu'à un petit peu l'essoufflement, pour faire travailler le cœur. Le cœur, c'est un muscle, il a besoin de travailler. Hein, donc, c'est l'activité physique, elle est essentielle. Ces 30 minutes, c'est vraiment essentiel. Et puis, parallèlement, il faut aussi penser à ne pas être trop sédentaire. Hein, on peut être, ça c'est un point important, quelqu'un peut être un grand sportif, mais perdre tout le bénéfice de cette activité physique parce qu'il est sédentaire. Hein, si vous restez plus de 6 heures par jour assis, ou plus de 2 heures de suite, eh bien, on augmente très significativement le risque de faire une maladie cardiovasculaire. Hein, donc, activité physique, c'est important, mais associé à l'absence de sédentarité, c'est extrêmement important aussi. J'ai un peu digressé, mais c'est important. Oui, on en a parlé avec les parcours du cœur aussi, puisque les actions sont basées sur le sport, sur le vélo, sur la marche. Donc, oui, c'est ça. Oui, les parcours du cœur, hein, c'est vraiment l'occasion de découvrir l'activité physique, hein, de favoriser ces partenariats avec les clubs de vélo, de marche, de parcours nordique, etc. Et puis aussi la possibilité de faire du dépistage. On a la possibilité d'avoir des stands de dépistage où on mesure le taux de cholestérol, le taux de sucre dans le sang. On mesure la pression artérielle pour essayer d'évaluer
le risque cardiovasculaire, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis bah, aussi, il y a des démonstrations de gestes qui s'ouvrent. Dans tous les clubs Cœur et Santé de France, hein, vous pouvez prendre contact. Et il y a des phases où vous pourrez avoir des initiations aux gestes qui s'ouvrent. Hein, c'est très facile. Sur le site internet, il y a les coordonnées. Et donc, c'est très facile d'assister à des séances. Il faut se rapprocher du club Cœur et Santé le plus proche oui. de chez nous. Puis on peut devenir bénévole aussi. Oui, si alors bien sûr, au contraire. Vous cherchez. Hein, pour savoir le club le plus proche hein, sur notre site, bah, vous tapez votre ville hein, et vous avez tout de suite le club le plus proche. Hein, et puis, les clubs donc, sont ouverts vraiment à tout le monde. Hein. Il y a quelques années, quand ils ont été créés, hein, c'est 1974, c'était un petit peu réservé aux patients qui avaient déjà fait des problèmes cardiaques. Ensuite, on l'a étendu au couple. C'est logique. Et puis maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de patients en prévention primaire qui peuvent venir dans les clubs Cœur et Santé. Il y a un côté convivial qui est aussi, bien sûr, très, très important. Alors, la FFC, c'est aussi la recherche, puisque vous soutenez plusieurs actions. Nous allons donc passer au dernier chapitre de cet entretien, la cardiologie de demain. Alors, comment est-ce qu'une association comme la vôtre soutient la recherche ? Alors, elle la soutient à plusieurs niveaux. Je rappelle que c'est une mission sociale. Donc, notre objectif, c'est de mieux prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, on va soutenir la prévention, de mieux guérir les maladies cardiovasculaires. Et puis, le troisième point, qui est un élément important aussi, c'est d'essayer de participer à la formation des futurs cardiologues, des futurs chirurgiens cardiaques, donc en les aidant dans leur cursus. Alors, je vais peut-être commencer par ça, parce que c'est plus simple. En fait, on a des bourses qui leur permettent de démarrer dans la recherche, d'avoir un éveil recherche, on va dire, en leur finançant une année de Master 2 pour faire de la recherche. Et puis, éventuellement, ensuite, une fois qu'ils ont fait cette année de recherche, s'ils veulent rentrer dans une carrière plus universitaire, il y a des bourses qui sont des bourses de financement de stages à l'étranger. Dans le cursus universitaire, on doit faire un an dans un laboratoire autre ou un service de recherche autre que le sien et de préférence à l'étranger. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est financé par la fédération. Vous devez avoir beaucoup de demandes, j'imagine. Comment est-ce que vous sélectionnez les projets ? Alors, donc, tous ces projets, ce qu'on verra après aussi, hein, il y a une commission scientifique. Hein, cette commission scientifique, elle est présidée par le professeur Engoulevent hein, qui, de Tours. Il y a 16 scientifiques qui sont dans cette commission, dont je fais partie, et qui vont analyser tous les projets. Donc il y a vraiment une expertise, tous les projets seront relus, on fait un appel d'offres, les candidats envoient le CV, le projet de recherche qu'ils veulent défendre, et puis ben, ils sont expertisés avec des notes en fonction de la qualité scientifique du projet, la faisabilité, parce que parfois très beaux projets, mais qui sont infaisables en un an, par exemple. Donc faisabilité, c'est important. Et puis l'équipe qui va recevoir la personne, il faut que ce soit une équipe qui ait l'habitude et qui soit renommée. Hein. Donc tous ces éléments vont rentrer en ligne de compte. Et est-ce qu'il y a des thématiques qui sont particulièrement, que vous voyez revenir souvent, des axes de recherche ? Oui, alors ce qu'on essaye, donc en termes de thématiques, hein, on aide déjà les jeunes équipes. Pour ceux, enfin vous n'avez pas l'habitude, mais quand on cherche des fonds pour faire de la recherche, quand on est une jeune équipe qu'on vient de démarrer, on ne trouve pas l'argent. Parce qu'on va partir, on va être en concurrence avec des grosses équipes qui ont des gros CV, qui ont fait plein de publications. Et donc, nous, on essaye d'aider les jeunes équipes qui débutent. Donc, c'est un programme qu'on appelle Impulsion, hein, qui va permettre à des nouvelles équipes de démarrer une nouvelle thématique. Donc, ça, c'est un point important. Et puis ensuite, il y a des subventions qui sont thématiques pour essayer de soutenir les thématiques qui sont soit pour nous importantes, soit qui sont d'actualité. D'actualité, par exemple, on a cette année mis en place des bourses pour rechercher sur les complications du Covid. Et en particulier, les travaux qui ont été retenus, c'est sur la myocardite liée au Covid. Il y a des thématiques qui sont des thématiques plus rares, hein, les cardiopathies congénitales. C'est pas facile de trouver des aides, donc on aide les études sur les cardiopathies congénitales. La mort subite, c'est une thématique qui est aidée également. Et puis, le cœur de femme. Hein, le cœur de femme, c'est important. On a beaucoup de retard en France, mais pas qu'en France, hein, en Europe et même dans le monde, sur la recherche des maladies cardiovasculaires. Pendant des années, les études n'incluaient pratiquement que des hommes.
Et ce qui fait que, alors pour des bonnes raisons, hein, une femme en âge de procréer, on hésitait à faire un examen, etc. Mais ce qui fait que la plupart de nos études ont très peu de femmes et que, pardon, on n'a pas de données suffisantes. Donc on essaye de pousser des thématiques de recherche sur le cœur des femmes de façon à rattraper ce retard. Et puis enfin, on a des projets qui sont de plus grande ampleur, avec des sommes beaucoup plus importantes, qui vont aider des équipes avec un projet qui est multicentrique, donc plusieurs CHU, plusieurs équipes de recherche, pluridisciplinaires, hein, pas que des cardiologues, mais avec des neurologues, avec des chercheurs fondamentalistes, avec des néphrologues. Enfin, on essaye de faire cet aspect pluridisciplinaire qui est toujours plus riche en termes de recherche, et sur des projets qui sont aidés plus longtemps, enfin, sur une période de 2 à 3 ans. Merci. Bah, je vous propose qu'on revoie l'image avec donc, le site de la FFC et puis en bas donc, l'adresse du site. Et puis pendant ce temps-là, on va regarder s'il y a des questions. Une dernière question et puis après, on va pouvoir conclure cet entretien. C'est passé très vite. Alors, Stéphane, alors une question. Alors, professeur Furber, déjà, ça discute pas mal. On n'a pas pu tout poser, mais les gens vous remercient pour vos explications. Et une question peut-être d'ordre plus général. Est-ce qu'on sait tout sur le cœur aujourd'hui? Est-ce qu'on est arrivé au bout de la connaissance du cœur? On est loin de tout savoir, mais enfin, si vous posez cette question, chaque chercheur ou chaque cardiologue aura une réponse différente. Alors, je vais certainement vous donner une réponse qui est un petit peu personnelle. Moi, je suis cardiologue interventionnel, hein, donc je fais de l'angioplastie, je débouche les artères, je fais de l'imagerie cardiaque. Hein, et ces deux domaines ont d'énormes progrès à faire encore. Il y a des points vraiment extrêmement importants, c'est que prédire l'arrêt cardiaque et la mort subite. On a quelques données qui fonctionnent, hein, comme la fonction cardiaque, mais il y a beaucoup à faire pour essayer de pouvoir prédire à temps l'arrêt cardiaque. Par exemple, quand on fait un infarctus, il y a des travaux qu'on soutient en ce moment qui essayent de prédire quel infarctus va faire un arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est un point important, c'est la prédiction de la mort subite. Deuxième axe de recherche qui est certainement très intéressante et qui va progresser grâce à l'imagerie cardiaque, en particulier au scanner des coronaires et à l'IRM cardiaque, hein, c'est des nouvelles techniques d'imagerie qu'on utilise de plus en plus, c'est de pouvoir prédire la plaque d'athérome qu'on a vue tout à l'heure, qui est parfaitement stable, qui n'a pas de risque, mais à quel moment elle va se déchirer. Et ça, c'est essentiel, parce que si on sait faire ça, eh bien on sait prévenir l'infarctus. Et là, il y a plein de travaux qui sont en cours, on est loin d'y arriver, hein, mais il y a vraiment un enjeu de recherche qui est tout à fait fondamental. L'autre point que je dirais, alors c'est encore peut-être un peu plus général, c'est que dans la cardiologie, on a beaucoup progressé dans le traitement des maladies aiguës. L'exemple, c'est l'infarctus du myocarde. Vous avez vu tous les progrès qui ont été faits. Hein. Il faut imaginer que l'infarctus du myocarde, en 1960, c'était 30% de mortalité. 1960, c'est la création des soins intensifs de cardiologie. On est passé à 15% de mortalité simplement parce qu'il y avait un défibrillateur. Ensuite, tous les éléments qu'on a vus, hein, la coronarographie, les stents actifs, tout ça, et bien maintenant on est à une mortalité hospitalière de l'ordre de 3%. Donc on a fait beaucoup de progrès. Dans l'infarctus aigu, ce qui ne va pas, c'est que les gens mettent trop longtemps à appeler. La mortalité, une fois que le patient est pris en charge, elle est très faible, 3%. Par contre, entre le début de la douleur et le moment où il est pris en charge, ce temps-là, il est trop long parce que les gens ne les appellent pas. Hein? Et c'est là qu'on a de la mortalité par cette fameuse fibrillation ventriculaire, hein, cette mort subite. Donc là, on a un progrès à faire, mais qui est un progrès d'éducation thérapeutique, hein, d'éduquer les patients à risque. Et ces phases aiguës, on sait quand même beaucoup mieux les traiter, mais la contrepartie, c'est que les maladies chroniques sont de plus en plus fréquentes. Et en cardiologie, eh bien, quand on fait un infarctus, qu'on a pu traiter l'infarctus, mais au bout d'un certain temps, et puis avec l'âge, c'est l'insuffisance cardiaque qui va apparaître. Et c'est devenu une pathologie extrêmement fréquente et qui augmente d'année en année de façon exponentielle. Hein. Et donc ça, c'est tous les travaux de recherche qui vont essayer d'avancer
sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque au stade un peu final, hein, donc où on a un petit peu de mal. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui arrivent. Et puis, il y a des formes d'insuffisance cardiaque où le cœur se contracte bien, mais il a du mal à se relâcher pour se remplir. Et là, c'est aussi une pathologie qui est extrêmement fréquente, en particulier chez les gens de plus de 65 ans. Et pour l'instant, les études montrent que les médicaments ne marchent pas très bien. On sait que traiter l'hypertension artérielle, traiter le diabète, ça diminue ces événements-là, mais on n'a pas vraiment de médicaments. Et donc, il y a tout un champ de recherche sur cette insuffisance cardiaque, on appelle à fraction d'éjection ou à fonction cardiaque préservée. Et ça, c'est un enjeu également majeur, parce que c'est l'épidémie de demain, c'est l'insuffisance cardiaque, hein, clairement. Donc, nous voyons, Stéphane, que les chercheurs ont encore du travail. Ouais. Et de notre côté, à tous, beaucoup de prévention aussi. C'est vraiment sur les deux axes qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir jouer. Je vous remercie, professeur Furbert, beaucoup. L'entretien a duré une heure. Donc, comme je disais, c'est passé très, très vite. Merci de nous avoir éclairés sur le cœur, d'avoir fait passer des messages. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont bien passés. N'hésitez pas à aller sur le site. Et puis, de notre côté, on se retrouve dans les résidences aussi d'Omitis pour les parcours du cœur ensemble. Donc, avril, mai, juin 2022. Donc, vous trouverez donc, sur le site de la FFC tous les clubs cœur et santé. Et puis, sur le site de d'Omitis, toutes les résidences à côté de chez vous. Merci à vous d'être venus pour ce studio d'Omitis dans la salle. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis aussi sur Internet. On se retrouve bientôt pour un prochain studio d'Omitis sur un autre thème. Et en attendant, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi voir les anciens studios. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à d'Omitis. Au revoir.